Les arts du spectacle face aux défis du numérique, un thème qui va guider la créativité au prochain Massa du 1er au 8 mars prochain. Le marché des arts du spectacle africain qui verra la participation de plus de 1000 professionnels, dont 400 artistes, fourbit petit à petit ses armes. Une signature de convention donc entre la Compagnie nationale aérienne du Maroc et la Côte d'Ivoire. Cette compagnie marocaine deviendra le transporteur officiel du Massa pour les deux prochaines éditions, 2014 et 2016, qui se dérouleront à Abidjan. Les réductions que nous allons avoir au niveau des prix des billets, sans compter les facilités qu'ils nous font aussi sur un certain nombre de billets. Il y a aussi tout un volet bagages qui est très très important. Ça nous permettra plus facilement de faire venir les troupes qui sont sélectionnées. Convention de partenariat signée avec l'Agence de coopération culturelle et technique de la Côte d'Ivoire pour la promotion du Massa. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, ce partenariat scelle un élan de coopération historique entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Nous avons pu obtenir que le Maroc soit le pays invité d'honneur au dernier salon du livre d'Abidjan. Nous avons pu organiser en Côte d'Ivoire ici une semaine du cinéma marocain, ceci grâce à l'engagement de son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et nous sommes invités au prochain salon du livre de Casablanca. Donc la valeur ajoutée est importante et dans tous les domaines et principalement dans le domaine de la culture. Rappelons-le, 2014 sera la 8e édition du Massa. Le Massa, un point de ralliement des faiseurs de festivals dans le monde.